Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotail, partenaire officiel de la télé de Lyon. Vendredi 15 avril 2022, vous avez été plus de 5100 personnes à suivre nos reportages de nos équipes ainsi que nos émissions et merci de votre fidélité. Voici aujourd'hui le sommaire de ce JT. Samedi 9 avril, à Villiers-sur-Toulon, s'est tenue l'Assemblée Générale de la FDFR 89, une journée sous le signe du réseau de demain. Direction l'abbaye Saint-Germain, où s'est tenu le salon des métiers d'art. C'est Louchane Chaille qui fabrique les origami. Elle était présente pour exposer ses créations. La fête foraine est de retour à Joigny, l'ambiance était au rendez-vous et les visiteurs également. Et à la suite évidemment de nos reportages, nous recevons déjà Frédéric Lecomte. Frédéric, bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes donc présidente et responsable de formation du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de la section Lyon. Oui. C'est ça, je dis pas de bêtises. Totalement, le Centre des jeunes dirigeants. Absolument. Et nous avons la chance d'en avoir une section sur Lyon, en région iconaise. Alors elle est sur Auxerre, hein, c'est ça? Elle est sur Auxerre, mais les membres s'étalent sur tout Lyon. Très bien. Voilà. Alors, on se revoit, nous, hop là, j'ai un petit souci de micro, on vient de me discuter à l'instant régime, on est en direct, hein, c'est des aléas. On se retrouve à la fin de ce journal. Vous n'hésitez pas à intervenir, si vous voulez intervenir sur ce que vous voyez, ce que vous entendez, vous êtes la bienvenue dans le JT. D'accord? Merci. Je vous en prie, Frédéric. Et évidemment, on parlera des rencontres sportives, également, en fin de ce JT, et des sorties culturelles. Je suis aussi avec nos reporters de la semaine, notre responsable de la communication, Charline Massetti. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Voilà, chaque semaine, vous l'avez compris, on est avec ceux qui ont été faire le boulot dans la semaine. Et il y a également, évidemment, Célestin. Bonjour. Comment ça va, Célestin? Très bien, et vous? Très bien, bah moi ça va super bien. C'est bien, on se vous voit, c'est le seul moment où on se voit dans la semaine. Ça, c'est assez agréable. Alors, vous êtes allé où cette semaine, Célestin? À la FDFR 89, à D'accord. Villiers-sur-Toulon. À l'Assemblée Générale. Exactement. Et également à la fête foraine de Joigny. D'accord, la fête foraine qui s'arrête bientôt, bon, on en parlait tout à l'heure justement. Et vous, Charline, vous êtes allée où? À l'abbaye Saint-Germain, sur le salon de la Journée européenne des métiers d'art. Vous êtes allée faire des origami, j'ai bien compris. Exactement. Allez, c'est justement, on commence par la FDFR 89 qui a réuni les différentes associations adhérentes du département de Lyon et certains des départements voisins comme la Nièvre ou même le 21, c'est la Côte d'Or. Voilà, et je cherchais. Voilà, le département donc voisin, durant la matinée, plusieurs ateliers qui étaient proposés autour de l'imagination du réseau de demain, avec des idées et des différents participants. C'est Damien Esneau et vous, Célestin, qui êtes allé justement sur place. Le 9 avril 2022, s'était organisée une journée pour les associations adhérentes à la FDFR 89, la Fédération départementale des foyers ruraux de Lyon. Le but de cette journée était de montrer l'importance du milieu associatif et de réfléchir sur des propositions pour l'améliorer. La Fédération des foyers ruraux, c'est une fédération d'associations. Donc en fait, nous, nos adhérents sont des associations et pas des personnes physiques en tant que telles. Qui ont toutes en commun le fait de se dire que le lien entre les personnes est fondamental. Ça nous permet de faire des rencontres entre associations, que les personnes échangent sur leurs activités, sur leur vision des choses, etc., etc. Cinq animateurs étaient présents pour dynamiser les cinq activités mises en place. Diverses associations tournaient à tour de rôle sur les divers ateliers comme un atelier de bricolage, un atelier de réflexion à l'aide de cartes et bien d'autres.
cette année, on avait fait le choix de se poser la question de, en fait, comment sera notre réseau dans 10 ans. Parce que effectivement, les associations, elles ont souffert avec les deux dernières années qu'on vient de passer, l'arrêt des activités. L'après-midi était destiné à accueillir les nouvelles associations adhérentes afin de féliciter leur entrée, puis elle s'est terminée de façon institutionnelle par une assemblée générale. Célestin, c'est vous qui êtes allé sur ce reportage avec Damien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, comment était l'ambiance ? Comment ça s'est passé ? Parce que la FDFR, c'est plutôt une association qui est là pour aider d'autres associations, et pas que d'ailleurs. L'ambiance était super, on a même été accueillis avec le café et les petites chouquettes. Alors ça, c'est important de recevoir effectivement les journalistes de cette manière-là, si on veut obtenir un reportage qui ressemble à quelque chose. C'est ça que tu voulais dire ? C'est même obligatoire. C'est même obligatoire. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé sur place ? Là, on a vu effectivement qu'il y avait des ateliers. Ouais, bah en fait, c'était vraiment consacré autour des ateliers et du jeu. Du coup, ils ont également fait des jeux de société et tout. Et c'était organisé de sorte à ce que chaque association puisse se rencontrer. Bien sûr. Et échanger. Ouais. Mais alors, l'idée de ces ateliers-là, c'est qu'est-ce qui devait en sortir ? Le sujet, c'était quand même le réseau de demain. Le réseau de demain, donc c'est-à-dire comment on va pouvoir... Comment améliorer, comment ils le voient, comment ils le voient au fur et à mesure des années qui vont se passer. Combien d'assos ? Tu te souviens combien d'associations 58 assos. Qui étaient présentes ? Non, toutes n'étaient pas présentes. Okay, mais qui sont adhérentes, qui sont adhérentes. De la FDFR. D'accord, ok. Merci Célestin. On continue ? N'hésite pas à intervenir, vous n'hésitez pas. Bon, tu as vu, c'est pas facile. Allez, on continue. Le 2 et 3 avril, les métiers d'art ont exposé à l'abbaye Saint-Germain à Auxerre. Plus de 50 artisans et artistes étaient présents. Parmi les exposants, Lishan Chai était présente sur place avec un stand Perline Sam Origami. Alors, Perline, ça veut dire quoi, Charline ? Lishan, ça veut dire petite perle. En japonais, et en fait elle a dérivé ce nom pour Perline. Sam, c'est un surnom qu'elle se donnait quand elle jouait avec ses sœurs étant petite. D'accord. Et puis origami, ça tombe sous le sens parce qu'elle fait de l'origami. D'accord, alors, on regarde tout de suite ce que ça donne. Allez, c'est parti. 2 minutes 40. À l'occasion de la journée des métiers d'art située à l'abbaye Saint-Germain-d'Auxerre, la télé de Lyon est partie à la rencontre de Lishan Chai, créatrice en origami. Grâce à Cindy Dauphile d'Effet, à Coulanges-sur-Yonne, elle a pu exposer ses créations. Alors, Perline Sam Origami, parce que Lishan, ça veut dire petite perle. Sam, c'est une particule que je mettais tout le temps, c'est un petit nom de scène que j'utilisais quand j'étais enfant. Et l'origami, ça représente mon activité. Alors, j'ai appris mes premiers origamis avec mon grand-père quand j'étais petite. Et du coup, c'est un art qui m'a donné envie et qui m'inspire beaucoup. Et en même temps, on peut faire énormément de choses avec l'origami. Alors au départ, c'était un univers que j'aimais beaucoup et qui m'inspirait beaucoup. Et petit à petit, j'ai développé ça également pour la décoration intérieure. Mais en général, les personnes me commandent des choses plus personnalisées. Je m'adapte avec les couleurs préférées des enfants, les couleurs également de la chambre, de la décoration de la chambre. Donc, c'est beaucoup de discussions pour créer un objet personnalisé. Alors aujourd'hui et demain, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, je propose des ateliers gratuits, des mini-sessions pour apprendre l'origami papillon et faire découvrir cet art que j'aime tant. Eh ben, si vous aussi vous êtes amateur d'origami, n'hésitez pas à la contacter. Je pense que c'est assez facile. Elle organise des ateliers. Là pour le salon, il y avait des ateliers qui étaient en continu sur les deux jours. Mais sinon, elle a son atelier qui est chez elle, mais qui n'est pas ouvert au public. Pour prendre contact avec elle, il y a sa page Facebook. Comment s'appelle cette page Facebook ? Perline Sam Origami, tout simplement. D'accord. Où on peut commander directement. Enfin, c'est fait à la demande. Ok, elle crée sur mesure. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc souvent, c'est pour les enfants, en fonction des couleurs que les enfants aiment bien, en fonction de la décoration de la chambre. Voilà, elle s'adapte à
tout ce qu'on lui demande. Vous avez fait, vous, un origami sur place? Alors non, on n'a pas eu le temps, mais j'aime beaucoup l'origami. C'est vrai? Ouais. Bon, il faudra nous redécorer le studio en origami. Très bien. Merci, Charline. Allez, si on va faire un peu la fête, ça vous dit? Ah oui. Parce qu'en ce moment, c'est des fêtes qui se préparent partout dans toutes les communes de Lyon, la fête foraine, bien sûr. Eh bien, moi, je propose qu'après l'édition 2020 et 2021 qui ont été annulées, et vous savez pourquoi, hein, à cause de la crise sanitaire, bien sûr, la fête foraine s'est de nouveau installée à Joigny, en face de la mairie. De nouvelles attractions ont fait leur apparition pour cette fête foraine, comme le Crazy Kraken, je l'ai bien dit ? Oui. En répétition, c'était pas top. Ou bien encore le roller Bob. Et bien, c'est Damien Esnault et Célestin qui ont décidé d'aller faire la fête pour vous. Samedi 9 avril, à Joigny, en face de la mairie, la fête foraine a ouvert ses portes. De retour après les éditions de 2020 et 2021 annulées pour cause de crise sanitaire, les forains et les visiteurs étaient au rendez-vous. Alors, on s'avoue content d'être bien accueillis par la commune de Joigny déjà. Et après 2 ans d'absence, on nous permet de nous installer en groupe une centaine de forains avec diverses attractions, des casinos, des manèges, des jeux à pièces, des attractions comme les ch'tis, le dragon, le breakdance. Les visiteurs sont toujours à l'affût des sensations fortes sur les manèges aussi multiples qu'ils soient. Ressenti, j'ai envie de gerber déjà. Et en vrai c'est cool, un peu cher, mais franchement c'est carré. Le meilleur pour moi c'est Crazy Jump, c'est celui qui est, il est là-bas. Et ça c'est carré, c'est une fois dans l'année, donc en vrai c'est cool. C'est vrai que ça fait plaisir aux gens de revoir la fête foraine, de nous revoir, de pouvoir ressortir s'amuser. Ils viennent entre amis, ils viennent en famille. C'est du bonheur pour eux, c'est du bonheur pour nous de les retrouver. C'est bien, je trouve que ça dynamise un petit peu la région. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, donc lorsqu'il y a une fête comme ça, c'est un peu un événement. Ça permet de pouvoir faire une sortie en famille. Merci aux forains d'avoir répondu à vos questions et ainsi que aussi aux promeneurs qui ont répondu aux questions. Ça fait plaisir. C'est vrai, c'est bien. C'est pas facile les micro-trottoirs. C'est compliqué. Hein, les gens disent non, moi je veux pas parler. D'accord, ça va, c'est l'esprit, oui, pardon. Alors c'était un moment sympa pour vous, j'imagine, d'aller travailler sur la fête foraine. Bah, on travaillait. Oui, je l'ai précisé, vous avez vu, je l'ai précisé. Hein. C'était, alors justement, là on a entendu deux forains, je crois, réagir. On voit qu'ils avaient effectivement, il était temps pour eux que ça réouvre. Vous l'avez ressenti comment, vous? Ouais, ils étaient assez emballés par le retour de cette fête et surtout après ce qui... Ouais, cette pandémie qui nous a tous mis au placard, si je puis dire, en l'occurrence, toutes ces entreprises, parce que c'est des entreprises, les forains. Alors, des choses qui aussi, ça va s'arrêter quand la foire à Joigny? Vous pouvez en profiter jusqu'à ce lundi de Pâques et ce samedi à 15h30. Ouais. Non, à 17h30, il y a. Faut être précis, hein. le maire de Joigny qui sera présent avec l'orchestre de l'harmonie municipale. D'accord. Et lundi à 15h30, il y aura un défilé des peluches Pokémon sur tout l'ensemble de la fête foraine. Sur le dernier jour, d'accord. Oui. Ah, bah, très bien. Et puis, je crois qu'il y a un feu d'artifice aussi. Oui, un feu d'artifice qui est à 21h45, le samedi soir, organisé par les forains. Très bien. Donc, demain soir, feu d'artifice proposé par les forains et organisé par les forains, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Oui, beau cadeau. Donc, voilà. Et la fête foraine, évidemment, s'arrête lundi. Et hop, elle s'en va du côté de Sens. Qui ouvre, je crois, dans quelques jours, 4-5 jours, je crois. 9 avril, quelque voilà, chose comme ouais, ça. Dans une semaine, je crois que tu as raison. Voilà, et ensuite, elle ira au CERF et on suivra évidemment tout cela avec vous. Allez, je vous propose maintenant de découvrir, puisque c'est l'heure des 5 dernières minutes, de découvrir Frédéric Lecomte, qui est sur notre plateau. Et j'ai hâte de lui poser plein de questions. C'est les 5 dernières minutes. Alors, c'est le nom de la rubrique, mais ça ne va pas durer 5 minutes. Ah, d'accord, ok. Chouette.
Frédéric, donc vous êtes une des représentantes et donc la présidente, si je puis dire, de la CJD. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait justement à la CJD? Alors, pour les gens qui nous regardent, qui sont ou pas entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs, ouais. Qu'est-ce que vous faites à la CJD pour les entreprises? Alors, déjà, le CJD, c'est le centre des jeunes dirigeants. Parce qu'on parle beaucoup avec des abréviations, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Absolument. Donc, ce centre des jeunes dirigeants, alors, jeunes, comme je dis toujours, c'est l'état d'esprit derrière. C'est une réunion de dirigeants, de collectivités, d'établissements, de chefs d'entreprise, d'auto-entrepreneurs. Donc, petites, moyennes et grandes entreprises. TPE, PME, voilà, okay. Tout profil d'indépendants purs. Hein, nous avons des avocats, on a des assureurs, voilà, des médecins, enfin, on a tout, je dirais. Comme on va avoir le directeur d'industrie, on a des fois un directeur d'établissement, on a eu l'un des établissements scolaires, hein, notamment sur Auxerre, privé, qui a participé au CJD. Donc voilà, c'est tout profil, c'est mixte, bien entendu. C'est une association donc, qui est apartisane, j'insiste bien. Oui, c'est pas un syndicat. Ah non, 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 du tout, du tout. On est apartisan et on le soutient bien, ça. et puis, alors elle date, elle n'est pas toute jeune, ça date de 1938. C'est M. Mersch qui l'a créée à l'époque. Maintenant, elle réunit à peu près, au niveau national, 5400 personnes, 5400 membres. Moi, j'appartiens à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a à peu près 185 adhérents. Ah oui, voilà, donc ça commence. Et sur Lyon? Alors, sur Lyon, nous sommes une dizaine. Ah ben, voilà. Oui, c'est donc, bien. C'est une section qui est en reconstruction. Mmh, voilà. Le but de cette association, c'est d'améliorer la posture du dirigeant, de l'aider, de le former. Et de développer son entreprise afin qu'il l'emmène, qu'il l'engage vers une entreprise qui soit responsable, écologique et sociale. Voilà. Oui, donc c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps, tout à fait. Donc elle nous apprend, cette association, quand on rentre en tant que membre, à développer notre posture de dirigeant qui doit évoluer, à surtout, je dirais, grandir dans notre état d'esprit et puis nous accompagner à développer. Et si on développe notre entreprise, on la pérennise, quoi. Mmh. Et on pérennise derrière forcément les emplois et toutes les ressources qu'elle peut apporter. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous vous voyez régulièrement? Vous organisez des événements pour justement, ou des ateliers? Tout à fait. Alors, nous, notre association, elle travaille sur 5 piliers. Alors, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer après comment on se réunit. Mais ces 5 piliers, le premier, c'est déjà d'expérimenter. Ça va nous permettre, je dirais, de ce fait-là, d'innover en expérimentant. Ça nous permet, nos ateliers nous permettent aussi, et nos rencontres nous permettent aussi de réfléchir. Donc, de ce fait-là, de réfléchir ensemble. Hein, c'est une association, on se réunit entre pairs. Ça nous permet, dans cette réflexion, d'être moins isolés comme dirigeants. Parce que c'est vrai que très vite, on se sent seul à la tête de nos entreprises. Donc, ces réflexions nous permettent aussi d'anticiper des scénarios que nous n'avions pas forcément vus en tant que dirigeants. Ensuite, nous sommes formés. Alors, formés bah, pour progresser, comme je vous ai dit, on est là pour évoluer au sein de cette association et faire évoluer nos entreprises. Mais sans oublier le fait qu'il faut s'engager aussi. C'est à ça, comme on s'engage vers une entreprise responsable, on s'engage aussi à impacter notre territoire et en influençant, dans le bon sens du terme, je dirais peut-être nos fournisseurs, nos partenaires, les collectivités. Donc, on va s'engager aussi, on va nous apprendre, nous, justement, à savoir parler avec tout ce monde et montrer que l'on ne fait qu'un et qu'il faut qu'on travaille ensemble et de manière intelligente et collaborative. Et le dernier point, je dirais, c'est l'aspect de développer. Ça, c'est forcément un gros axe pour un dirigeant. Comme je vous ai dit, le fait de développer notre entreprise va nous permettre de la pérenniser. Donc, c'est l'avenir qu'à ce moment-là, on travaille. Et ces 5 piliers-là, on va les travailler de manière différente. Soit c'est une fois par mois avec des rencontres entre pairs, ou justement, c'est du partage d'expérience. L'un va peut-être être plus en avance que l'autre et va pouvoir aider un autre partenaire de la section. On va aussi, lors de ces ateliers, des fois expérimenter avec un consultant ou un coach une nouvelle technique. Notamment, on travaille beaucoup avec l'intelligence collective. On apprend beaucoup d'exercices là-dessus pour justement animer nos équipes de manière plus punchy,
plus ludique, justement attirer les jeunes, je dirais, au sein de l'entrepreneuriat et développer avec eux notre entreprise. Vous me les laissez, hein, ceux-là. Ah, ils sont contents quand même, hein, parce que j'ai déjà un petit peu essayé de planter mes graines. Hein. Ah, vous avez raison. On ne peut pas m'arrêter. Allons. Donc voilà, donc c'est des réunions mensuelles. Et puis nous avons aussi des commissions sur lesquelles on travaille sur d'autres points. Alors là, toujours entre pairs, mais il y a souvent au sein, nous on s'appelle entre nous JD, un jeune dirigeant, ou JDET, les filles. J'aimerais bien mes miguelettes, moi. C'est possible d'avoir des miguelettes. Et donc, on apprend, nous aussi, à former d'autres JD. Donc, on a des formations qui vont nous permettre d'accompagner les JD de notre section, par exemple, à développer au niveau de la gestion. Donc là, on a des ateliers, à ce moment-là aussi, qu'on peut mettre en place. Moi, je mets un atelier prochainement en place, ça sera pour septembre parce que je vais me former là, sur l'entreprise à mission. Donc ce que vous me parliez, le sujet tout à l'heure du foyer, des foyers ruraux du 89, je me suis beaucoup rapprochée d'eux parce que dans l'économie sociale et solidaire, bien sûr, l'entreprise à mission, c'est leur dada, quoi. Absolument. Et ils ont un accompagnement en plus pour les entrepreneurs. Donc voilà, notre association a totalement accord avec eux et la même vision. Donc je vais former prochainement des JD et JDET justement à observer l'entreprise à mission, savoir comment elle peut se mettre en place, qu'est-ce que peut-être ils font déjà dans leur entreprise. C'est pas dire qu'on va y aller tout de suite. Le développement, il y a des étapes, ça se fait avec méthode. Donc, il faut les accompagner tout doucement et déjà les éveiller, c'est la première chose. Et puis après, il y a un gros axe, moi, que j'adore et que beaucoup de JD adorent, c'est qu'on a 3 forums de formation par an, de 2 jours à 2 jours et demi. Où là, déjà, on se retrouve entre nous, là, 100-150, donc là, ça donne de la pêche. Là, il y a du partage d'idées, il y a de l'efficience, c'est impressionnant. Et on nous forme, là, souvent, le but est de se former sur un de nos points faibles, quoi. Donc, on va nous former sur du management, par exemple, si c'est un choix, sur du marketing, sur de la communication pure, sur de la gestion. Hein. L'autre fois, il y avait l'analyse financière. Il y a des fois, il faut y passer quand même, il faut y repasser. Et puis aussi, surtout, du développement personnel aussi. Parce que pour s'engager dans ces nouvelles entreprises où on prend conscience, et c'est un des credos du CJD, c'est que le CJD souhaite remettre l'économie aux mains et au cœur des hommes. D'accord. Voilà. Et donc pour ça, il faut changer, nous, notre posture. Donc il faut voir quelle est notre mission, quelle est notre raison d'être à titre personnel et quelle est la raison d'être de nos entreprises et à quoi on participe. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous faites, évidemment, dans cette association. Mm. Mais vous, Frédéric, à titre personnel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel métier, vous, justement, quelle entreprise vous dirigez? Alors, je suis très active. Oui. J'ai 2 activités. Et la première activité, alors, je suis en expertise, comme je dis, je suis opticienne de métier. D'accord. Où j'ai un magasin d'optique, encore en association avec mon mari, sur Auxerre. D'accord. Et j'ai une autre activité à titre personnel que j'ai développée. Et je ne l'aurais pas développé sans le CJD, parce que le centre des jeunes dirigeants m'a fait prendre conscience que mon métier n'était pas mon expertise. D'accord. Mon métier, c'était être chef d'entreprise. Voilà, je suis entrepreneuse. Mmh. Voilà. Et ça, j'en ai pris conscience tout au long du parcours. Et ça m'a permis de créer Profilae, qui est une agence, c'est un organisme de bilan de compétences, qui amène et qui guide et qui accompagne les personnes à évoluer dans leur carrière. Alors, on ne parle pas d'entreprise, mais on parle d'individus, on parle d'hommes et de femmes que vous accompagnez. Oui, tout à fait, d'hommes et de femmes, tout à fait. Mais à la fois aussi les entreprises, parce que j'ai des clients, des fois c'est des dirigeants qui, comme moi, ont une réflexion à un moment de leur vie, qui se disent « j'ai fait ça, j'ai fait mon premier bébé ». Il est grand maintenant, et puis j'ai envie d'un nouveau projet. Et des fois, c'est ce que j'appelle, moi, des bilans de carrière, quoi, à ce moment-là, avec eux. Donc, j'ai vraiment tout. C'est des gens actifs que j'accompagne. J'ai beaucoup, beaucoup de créateurs d'entreprises. Et donc, j'avoue que je les éveille forcément à l'entreprise de demain, qui est l'entreprise à mission. Si ce n'est pas l'entreprise à mission, c'est au moins qu'ils préparent un projet entrepreneurial responsable, quoi, dans la typologie RSE, qui pour moi est une évidence pour avancer, pour bâtir ce nouveau monde auquel vous appartenez et qu'on appartient tous ensemble. Et c'est comme ça que ça va pouvoir se bâtir et qu'on va pouvoir aussi apporter au territoire. Le territoire, je pense, a besoin aussi a besoin des entreprises. Hein, c'est le poumon
de n'importe quel endroit de la France. On emploie, on dégage des ressources. Et je dirais, c'est en travaillant, en développant nos entreprises et en travaillant avec les collectivités qu'on peut donc justement développer ou redévelopper un territoire. Alors, comment on fait justement, Frédéric, pour vous contacter si on a besoin de faire un bilan de compétences sur Profilae, pardon? Alors, sur Profilae, oui. Ou sur le CJD? Après. Ah, après, d'accord. D'abord Profilae. D'abord Profilae. Voilà. Bien. Alors, pour le bilan de compétences, pour me joindre, c'est contact, @agence-d6profilae.fr. Très bien. Et on vous retrouve sur les réseaux, j'imagine, ou en l'occurrence sur LinkedIn. Voilà, LinkedIn. J'ai un site internet aussi. D'accord. Voilà. Et puis sur LinkedIn, vous retrouvez Facebook aussi. On a une page Facebook et une page LinkedIn. Voilà. Très bien. J'ai une adorable community manager. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut les animer, les réseaux. Ouais, comme vous avez l'air très active. Je suis soutenue. Oui, j'ai une super collaboratrice. Bah, génial. Et sur justement la CJD? Alors, le CJD. Alors, le CJD. Alors, on a une page Facebook où on peut nous contacter, soit par Messenger, soit WhatsApp. Et pareil, une adresse email très simple. Alors là, c'est de me contacter en direct. Donc, c'est frédéric.lecomte@cjd.net. Très bien, ça marche. Donc, n'hésitez pas à taper sur votre moteur de recherche, tout simplement, ou effectivement le CJD de Lyon, ou Profilae, si vous avez un besoin, en tous les cas, d'un accompagnement. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, très bientôt. Alors, je le mets en teasing et j'indiquerai la date très prochainement, mais on va faire un petit déjeuner en live qui va justement permettre de faire découvrir aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux futurs créateurs d'entreprise, justement le CJD. Donc on le fera, donc ça sera en live sur Facebook très prochainement. Super, voilà, à suivre sur la page Facebook l'annonce de la journée. Absolument, et voilà. Puis on sera content de le relayer évidemment sur la télé. Merci de Lyon. Merci Miguel. Est-ce que vous avez des questions à poser à Frédéric ou pas? J'avais des questions, il y a répondu. Enfin, c'était surtout notamment, qui peut faire un bilan de compétences, mais enfin, en fait, il n'y a pas d'âge propice. Non, il n'y a pas d'âge. Enfin, aussi bien un jeune peut en faire. J'accompagne beaucoup de jeunes en post-bac, très souvent, pour que là, ils fassent un point justement sur leur orientation. Moi, mon bilan de compétences est axé, hein, c'est un petit peu ma couleur. J'ai du développement personnel dans mon bilan de compétences. Donc déjà, je reconnecte les gens à eux et à leur motivation. Donc ça, il n'y a pas d'âge pour ça, pour se reconnecter à soi et savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui a du sens pour nous. Dès qu'on se reconnecte à ça, le sens va redonner la direction. Et à ce moment-là, comme on a une direction, pour activer après le mouvement, c'est les motivations. Les motivations, c'est un vrai moteur, une vraie batterie, et hop, ça nous remet en piste, et puis ça va nous engager dans des missions, quoi. Donc, ça part de là, donc il n'y a pas d'âge, les jeunes viennent. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est jeune, on est un peu perdu après l'école, ou même après plein de choses, une première expérience professionnelle, et c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir recours à ce genre de bilan de compétences, en fait. C'est ça, oui, c'est l'outil, en fin de compte, qui est décliné après, qui va s'adapter à l'âge et justement au patrimoine professionnel qui a été acquis et au patrimoine compétent. Parce que je dis toujours, les jeunes ont souvent un doute sur leurs compétences. Déjà, ils ont des talents innés qui sont liés aux motivations intrinsèques, donc à notre savoir-être. Hein. On a développé tous les jours, forcément des talents innés. Donc déjà, c'est en prendre conscience, l'air de rien, c'est pas négligeable. Et ensuite, pendant l'école, la formation, vous avez acquis des compétences et à travers le sport que vous avez pu pratiquer, par exemple, des hobbies où vous êtes membre d'une association. Donc ça, par exemple, moi, j'ai des gens que j'ai suivis, des jeunes qui sont membres de la Jeune Chambre économique. L'air de rien, ils ont acquis des compétences. Donc il faut l'incorporer dans vos CV. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, de ce fait-là, le voile va se lever un peu, on va y voir un peu plus clair, et après on peut plus travailler son orientation et se dire je me projette dans telle continuité d'études, ça parle pour moi, ça a du sens, et là je m'y engage, mais pleinement, quoi. Le projet est construit, et il faut prendre du temps pour ça, c'est vrai que... Absolument, voilà. Merci beaucoup Frédéric Lecomte, qui est la présidente et responsable justement de la CJD, voilà, qui est le centre des jeunes dirigeants de Lyon, en l'occurrence, pour votre tout CV. À fait. Et puis évidemment, pour les bilans de compétences, c'est votre structure Profilae, que n'hésitez pas, si ça vous a un petit peu donné des idées, ou vous aviez des doutes, etc., vous tapez Profilae sur votre moteur de recherche, voilà. Et puis alors, si vous êtes chef d'entreprise, et puis que la CJD vous a donné des idées,
si vous avez donné envie, en tous les cas, aux responsables d'entreprise, aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants d'entreprise, de venir vous rencontrer afin de dire bah, moi j'ai un petit problème. Oui. Voilà. Pas je que sais. Des problèmes. Non, mais voilà, ben, tous les cas, j'ai quelque chose qui me chagrine. Ben, et... Si notre credo remette l'économie aux mains des hommes, au cœur des hommes, je dirais si ça parle, si ce credo parle. C'est le CJD, quoi. Et absolument. Voilà, et c'est là que vous allez avoir retrouvé votre tribu et on est là pour partager entre les bons côtés, les difficultés, mais aussi les points positifs. Hein. L'innovation, des fois, de certains dans leur entreprise apporte beaucoup à l'autre et fait gagner du temps, surtout le partage d'expérience. Absolument. Puis on se sent moins seul. Et je comprends beaucoup mieux votre rapprochement avec la FDFR. Ah bah, je pense maintenant. Je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci, Frédéric Lecomte. C'était les 5 dernières minutes. Frédéric, vous restez toujours avec nous, hein ? D'accord ? On finit, là c'est justement les sports, on va faire justement les rencontres sportives, maintenant. Et bien alors, les rencontres sportives de ce week-end que l'on vous propose à la télé de Lyon, figurez-vous qu'il y a du volley, l'équipe féminine de Sans Volley Club reçoit l'IFVB, l'Institut Fédéral de Volleyball, au complexe sportif Roger Breton. Début du match à 20h, et évidemment, Célestin, c'est retransmis où ? Sur nos réseaux. La télé de Lyon retransmet évidemment le match puisque nous sommes partenaires du club. Donc vous pouvez dès 19h45 nous retrouver sur notre page Facebook, la télé de Lyon, pour suivre ce match. Pour ceux qui ne peuvent pas venir évidemment dans les gradins, sinon venez dans les gradins vivre cette ambiance et cette équipe élite féminine qui se bat pour rester en élite. Venez mettre l'ambiance avec Loco, la mascotte. Avec Loco, la mascotte. Très bonne ambiance. Absolument. La mascotte. Ouais, c'est vrai. À fond. Alors, donc 19h45, voilà, là on va tous à Sens hein, pour supporter nos Lyonnes. Vous voulez rien dire à ce sujet-là ? C'est pas tout de suite que vous intervenez, hein, Célestin. C'est plutôt en football, sur la JA peut-être, c'est peut-être ça ? Parce que ça, un fan de la JA aussi, hein, Célestin. Oh, bah justement, la JA, c'est ça. La JA se déplace pour affronter Pau FC ce samedi à 15h au Noust Camp. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et Noust Camp, c'est en Bernais, parce qu'on est dans la région de Pau. Ouais. Signifie notre terre, notre terrain. Notre terrain. Je le relis, Noust Camp. Oui. Ça veut dire patois, notre là. Terrain. Ouais. C'est un patois, c'est ça, ouais. Local là-bas. D'accord, bah merci pour... Il y a d'autres choses. Vous parlez aussi très bien le patois de Bernet, ouais, c'est ça. Alors, en tous les cas, ce match sera à suivre en intégralité sur France Bleu à partir de 19h. Et en National 3, il y a le Paron FC qui reçoit le football club de Guignon au stade Bernard Pité à 18h à Paron. Voilà, c'est pareil, ça va être un gros match aussi pour les amateurs de football et toujours en football, mais cette fois-ci. En régionale 1 féminine, c'est les Auxerrois qui se déplacent à Longwic pour affronter les féminines du ALC Longwic Football ce samedi à 16h. Ce samedi 16, je vais y arriver, on est en fin de JT, ça commence à être compliqué. Le samedi donc 16 avril à 15h. Voilà, c'est tout. Ah oui. Autre rencontre importante, oui. Football encore, mais bon. Le tournoi sans frontières ce week-end. Le TSF, voilà, qui existe donc depuis 1994, j'ai cherché, et qui est réservé aux joueurs de 12 ans. Voilà. Donc qui se passe à Sens, au stade René Binet, dès ce soir, 17h, et jusqu'à dimanche. Ouais, c'est en fait, il y a plein de jeunes équipes qui appartiennent à des clubs professionnels. Qui viennent comment se confronter. C'est vraiment un tournoi international. Qui viennent des meilleures équipes d'Europe, de France. Absolument, ouais, tout à fait. Ouais, et c'est Toulouse qui remet son titre en jeu, qui avait gagné en 2019. Bien sûr, les deux ans, c'est une interruption. Voilà. Donc Toulouse, la bête noire de ce tournoi. voilà, et puis nous avons un petit communiqué de... Voilà, on a reçu un petit communiqué de presse concernant l'appel à candidature auprès des Iconés du département de Lyon pour devenir volontaire aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors, si vous avez envie de candidater, il faut être domicilié dans Lyon, évidemment, avoir entre 17 et 24 ans, être licencié d'un mouvement sportif Iconés. Et dès aujourd'hui et jusqu'au 15 mai, les Iconés sont, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer donc votre CV et une petite lettre de motivation ou bien un format de vidéo de 2 minutes présentant votre candidature. Et vous pouvez l'envoyer à volontaire avec un S 89. @lyon.fr. D'ailleurs, ça s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas, si vous avez envie d'être volontaire sur les Jeux Olympiques
Voilà, donc les jeunes, si vous avez envie, c'est un moment magique. C'est pour être volontaire pour 30 jours, pour les 30 jours de compétition. C'est ça, pendant un mois complet, avec des vraies missions. Oui, absolument. Voilà, rien d'autre à rajouter sur cette rubrique sportive? Non. Frédéric non plus, donc oui, très bien. Ça. Alors, c'est tout pour le sport. Et alors, un peu de culture, hein, parce qu'après le sport ou avant le sport, on va voir une pièce de théâtre et ensuite on va regarder un match de foot, par exemple. On peut faire les deux, hein, tout est possible. Hein. Il n'y a qu'un pont à franchir entre la culture et le sport, hein, ou un terrain de sport. Les sorties de ce week-end, c'est tout de suite, c'est maintenant. On vient de voir le jingle, je suis un petit peu déstabilisé en cette fin de JT. Mais comme chaque semaine, la rédaction, c'est-à-dire vous, vous dévoile ses idées de sortie pour tout le week-end. Donc, par exemple, ce soir, au Théâtre de Sens à 20h30, la compagnie Shushenko interprète une pièce de théâtre très connue, très classique, de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Hein, vous avez déjà été voir une pièce de Roméo et Juliette? Pas Roméo et Juliette. Non. Il faut absolument aller voir ce classique. Voilà, en tous les cas, c'est mis en scène par Manon Montel. Alors, les tarifs pour les étudiants et les moins de 25 ans, il y a un tarif de 10 euros et de 17 euros pour les balcons, 19 euros en loge et 21 euros pour les fauteuils. Voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est un classique, évidemment. Donc, vous avez vu, là, vous l'avez vu sans doute, peut-être Je l'ai étudié à l'école, il y a très longtemps. Donc, vous je ne l'ai pas vu. Oui, d'accord, voilà, très étudié. Bien. Moi, je l'ai étudié à l'école. Voilà. Oui, il y a un moment, Shakespeare. Ouais, voilà. Et encore, c'est la plus facile hein, des pièces, hein, Juliette de Shakespeare. Oui. On continue avec samedi après-midi. Demain après-midi, Philippe Fro, écrivain, il connaît, sera en dédicace de 17 à 20 heures. Au bar L'Essentiel, à Auxerre. C'est son 10e roman. N'hésitez pas à aller le rencontrer, discuter avec lui et vous faire dédicacer son nouveau roman. Et enfin, samedi soir, à la salle des fêtes de Chichery, soirée sur le thème Pâques en fête. Eh bien, puisque c'est lundi de Pâques, hein, quand même. Oui. Pas l'oublier, hein. Il va falloir aller chercher les œufs dans les jardins, etc., etc. On vous a concocté tout ça à la télé de Lyon. Vous allez devoir ici, dans le studio, rechercher vos œufs. Donc c'est à Chichery, hein. C'est une soirée sur le thème de Pâques, évidemment, qui est organisée par l'association Plus de Zik, avec en avant-première une partie de la programmation du festival Cacophonie. L'entrée est de 4 euros avec restauration et buvette sur place. C'est un moment, évidemment, à ne pas. Pour ceux qui habitent autour de Chichery et à Chichery, il faut y aller. Dimanche, il va falloir se lever de bonne heure. C'est de 6h à 19h, une randonnée avec 7 parcours de 8 à 57 km. C'est entre Auxerre et Vézelay. Vous connaissez ça, Frédéric? Ah oui, elle est connue, cette marche. Absolument. Elle est organisée par le club alpin d'Auxerre. Donc, la date et limite de réservation, donc c'est jusqu'à ce samedi-là, je crois, hein, il me semble. Oui, c'est samedi. Oui, c'est jusqu'à samedi. Voilà, donc le tarif est de 15 euros. Pour réserver, ça s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas. Il y a de nombreuses personnes. Et puis, évidemment, Charline qui veut rajouter quelque chose. Évidemment, je veux toujours rajouter quelque chose. Tu as raison. On parlait de Pâques tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que là, c'est les vacances. Oui. Ça y est, c'est en vacances, samedi, enfin demain. Et il y a de nombreuses chasses à l'œuf d'activités qui sont proposées, notamment au château de Maulne ou à Massangy. Voilà. Très bien. J'ai pioché deux endroits parmi tant d'autres. Ah ouais. Alors, le château de Maulne, c'est quelque chose. Ça doit être top, quoi. Absolument. Et à Massangy, c'est un petit train qui déambule. Puis à la fin, il donne des œufs aux enfants. Je trouvais ça chantant. Oui, absolument. c'est bien d'en parler. Voilà. Et ben, vous savez quoi? C'est tout pour les sorties culturelles. J'adore le jingle. On arrive en fin de JT, il était temps en ce qui me concerne. Je remercie beaucoup Frédéric Lecomte d'être avec nous, vraiment. C'était génial que vous expliquiez ça. On vous a posé 3 questions et tchop, vous êtes parti. C'est magique. C'est la passion, ça. C'est la passion, absolument. Merci à vous. On va bientôt se retouver pour d'autres aventures. Merci Miguel. Merci pour ton accueil. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci à vous deux d'être intervenus et tous les vendredis, ça. Ça sera comme ça maintenant, vous, chacun votre tour, vous interviendrez sur le plateau pour parler des reportages ou pour rajouter des petites choses, des informations pratiques et utiles pour tous. Je vous rappelle que les reportages que vous avez vus dans le JT seront en sujet seul à partir de 17h aujourd'hui, puis beaucoup plus long pour certains. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, vous allez sur www.latélédelyon.fr, hop, vous inscrivez à la newsletter et tous les vendredis soirs à 19h, vous recevrez tout ce qu'on a fait tout au long de cette semaine. J'ai tout bon?
Et répondre à un sondage. Et oui, répondre à un sondage, absolument. Et puis, sur les habitudes absolument, de visionnage, etc. Voilà. Est-ce que vous voulez voir tout ça. Il y a un petit sondage, il faut y répondre, ça va nous aider à pouvoir mieux... Ça prend vraiment très peu de temps, oui. Même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes, absolument. Voilà. Merci à vous, on se retrouve demain soir à 19h45 pour le live du SOC, pas du SOC, du Sens Volé 89 des Lyonnes. Voilà, tous ensemble. Passez un excellent week-end. À très bientôt. Bon week-end à vous. Et merci beaucoup voilà, à toute l'équipe qui est derrière, à Robin, à Damien, à Kevin et à Sébastien Corbelon qui vient de nous rejoindre. Ciao, bye bye, bon week-end, à demain soir.